Ben, il est urgent aujourd'hui de se pencher sur la question des paiements pour services environnementaux, parce que nous pensons que l'avenir de la conservation, l'avenir de nos forêts réside dans le paiement et dans un paiement équitable de cette conservation sur la biodiversité. Nous pensons que vraiment il est important que au sortir de la réunion de Copenhague, que la communauté internationale arrête une position qui puisse permettre aux forêts du bassin du Congo, de l'Amazonie et de l'Asie du Sud-Est de sortir gagnante de ces grandes réunions internationales.